Salut les matelots, content de vous revoir à bord. Après une douce navigation de nuit, nous arrivons dans les Grenadines, plus précisément à Young Island, une petite île au sud de Saint-Vincent pour faire notre clairance. En tant que guide, nous sommes dans l'obligation de passer par un agent qui s'occupe de ça. Nous lui avons donné notre dossier, test PCR négatif et passeport à notre arrivée. Entre-temps, on n'a pas le droit de descendre sur Terre. Il est 16h, on est toujours là. Une clairance, normalement, on le fait nous-mêmes et en 10 minutes, c'est plié. Là, on a eu pour la journée, on a perdu une journée entière. Bon, après, on a navigué de nuit, on était fatigués, donc je sais pas si on aurait été méga productif, mais bon. Au moins d'être là où on veut, à Bekwe. Allez, Jimmy, arrive. C'est bon, il arrive. Il arrive? Yes! L'année dernière, nous avions passé la saison cyclonique ici. C'était d'ailleurs nos premières navigations ensemble. On découvrait l'équipage ainsi que Wild One. Cette année, nous revenons sur nos pas avec beaucoup de bons souvenirs des Grenadines. Ici, c'est vraiment le paradis pour les marins. Plein de petites îles côte à côte à découvrir. On est d'abord passé faire un petit coucou à Bekwe, l'île la plus grande et la plus habitée des Grenadines. Nous avons jeté l'ancre dans la baie de Admiralty, qui est très bien habitée. L'année passée, il y avait beaucoup plus de bateaux, mais cette fois, c'est un peu plus calme, à cause de la crise sanitaire, certainement. On profite même pour faire des choses que l'on n'a pas pu faire l'an passé. C'est notre habit JP, une fondue suisse. Ils ont plus qu'un quart de vaudois. Le vache en Jura, c'est comme un fromage moelleux, tu vois. Tu sais, tu as... Ça y est, on bouge de Bekwe. Ouais, on part à l'aventure dans un mouillage isolé. Inch'Allah, on est tout seul. Enfin, on est accompagné de nos deux bateaux copains. Ça s'appelle Balisso. Saint-Vincent ici, Bekwe ici. Et nous allons Balisso. Balisso. Et donc là, on va voir si on ancre ici ou si on ancre ici.
faut des conditions particulières pour aller dans ce genre de mouillage. Ouais, parce que c'est pas méga protégé en fait, malgré l'île. On dit ça en anglais, ça wrap around. Ça, la mer qui vient d'ici va contourner et du coup tu vas avoir une mer croisée au mouillage ici. Donc là on a choisi d'y aller ces deux prochains jours, trois prochains jours. Parce que comme vous pouvez voir, la mer c'est un lac. Il n'y a pas plus de 6 nœuds de vent annoncés. Comme on peut le voir ici, un nœud, quatre nœuds, six nœuds. Dès que c'est bleu, il y a pétrole. Bah, on a notre ami voile au vent qui s'aventure entre deux rochers. Bah, on y va. Combien de profondeur on est passé? On est passé entre ça et ça. Ouais. 3,7 m au plus bas. Yeah. On va passer quand il y a de la mer. Hein. Non. Là on est passé parce que c'est calme. Mais... C'est large, hein, y a la place, mais c'est cool. T'es content toi. Ouais. Nous y sommes, à Balisso. Avant de commencer cette aventure, Benjamin m'a souvent parlé de ces moments dont il rêvait. Découvrir et rester un moment sur une île déserte. Et là, on y est. C'est l'isolement et l'aventure. Sans aucun doute, on va s'y plaire. Merci Balisso, la citronnelle fraîche. Je vais le faire en thé. On a une quinzaine de mouches dans le bateau. Là. Sale tranche. Parasite. Explique-nous quel est ce poisson. Quel est donc l'espèce ça, c'est de un ce poisson? Schoolmaster snapper de la famille des snappers, comme la sarde, comme le zieplairé, tout ça. Ça parlera à certaines personnes. Et on n'en mange pas en Guadeloupe parce que c'est la ciguatera.
Là, on mange que les petits. Et là, on est dans les grenadines, donc c'est très très bon. Petit Mirou! Non, il est tout petit. Un petit Mirou encore! Ah ouais, c'est une petite harangue. Salut toi! Au petit matin du troisième jour, pas de surprise, les conditions se sont dégradées. Le vent est monté et la mer s'est formée. Le mouillage est devenu inconfortable. Nous décidons alors de continuer notre périple d'île déserte vers Île à 4. J'avais juste une question sur l'île à 4, est-ce que vous connaissez un endroit où il y a du sable? Parce que sur la map, ça dit qu'il y a des cailloux tout le long du bord. Nous avons finalement jeté l'ancre au bord des falaises de l'île. C'est magique. Encore un endroit où l'on va se sentir bien. Finalement, il n'y a pas de roches, mais uniquement que du sable, contrairement à ce que Navionics dit. L'ancre est bien plantée et le mouillage est abrité par des couets. On va explorer l'île à 4 et Petit Nevis. En dinghy. Quelle heure choisissez-vous, monsieur? Un petit repas là. Oh, qu'est-ce qu'elle a? On l'a relâché, les amis. Deuxième touche, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Beaucoup de peu. Pas beau, une béquille, je trouve. Sometimes light is breaking through. Bye. But my blinded eyes can't reveal an illusion. I can't trust it being real. So I keep on wondering until I feel. Cool. Bon, il a pris son livre, c'est bon. Donc, c'est quoi comme poisson? Tac. Wrangel, couronné rouge. Epinephelus gutatus, famille des mérous.
Céranidés. Ok, et aujourd'hui maximum c'est... 60 cm. Et aujourd'hui, c'est quoi la recette alors? Est-ce que c'est vraiment une recette? Non, c'est... J'ai utilisé notre petite sauce aux haricots de soja noir. Un peu à la Chinese. Et je vais faire au four avec ça. Un peu d'oignon et un peu de tout ça, tout ci. Tout ça, tout ci. Voilà. Benjamin cuisine le poisson à l'odeur. Ça commence à sentir le poisson. On part de Île à 4 pour une très grande navigation là pour aller à Petit Nevis. Ça fera de l'eau chaude pour ce soir. Sometimes light is breaking through, but my blinded eyes can't reveal an illusion. I can't trust it being real, so I keep on wondering until I feel you. Feel that you're. On profite à fond de tous ces moments-là. Merci la vie. Merci la nature. Nous, on va vous laisser ici. On prévoit de partir dans les prochains jours pour les Tobago Cays. On attend une bonne fenêtre météo. Merci infiniment de nous suivre. On espère que vous avez passé un bon moment à bord. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.